Dans cette vidéo, nous vous présentons la nouvelle génération des solutions de caisse EBP qui ont été revues pour vous permettre de gagner en efficacité et en confort d'utilisation. Tout en haut de votre écran, vous pouvez retrouver différents menus qui correspondent à votre chaîne commerciale. Voyons ensemble le troisième menu qui regroupe la gestion des règlements et de la comptabilité. Certaines de ces fonctionnalités ne sont disponibles qu'à partir de la version Pro, version à partir de laquelle nous faisons cette présentation. Après avoir cliqué sur le menu Règlement comptabilité, vous pouvez consulter toutes les fonctionnalités qu'il comprend dans le bandeau vertical à gauche. Ainsi, vous y retrouvez les échéanciers, lettres de relance, règlements, remises en banque pour les clients et les fournisseurs, les décaissements pour les fournisseurs, ainsi que les transferts en comptabilité, les transferts de données de paye et de EBTES. C'est dans ce menu que vous pourrez notamment régler une échéance ou faire un transfert en comptabilité. Commençons par le règlement d'une échéance. En cliquant sur le menu échéancier, vous arrivez sur l'échéancier client. De même, si vous cliquez sur le menu échéancier juste en dessous de fournisseur, vous arrivez sur l'échéancier fournisseur. Que ce soit pour régler une échéance client ou une échéance fournisseur, le principe est le même. Prenons l'exemple du règlement d'une échéance client. Sélectionnez le document à régler en le cochant, puis cliquez sur le menu Plus d'actions. Sélectionnez Créer un règlement. Une fenêtre s'ouvre sur le règlement concerné. Vérifiez les informations, puis cliquez sur Enregistrer et fermer. Vous pouvez retrouver désormais votre document dans la liste des échéances réglées. Vous pouvez également régler l'échéance en ouvrant le document, puis l'onglet Non réglé, double-cliquez sur une facture. Puis cliquez ici sur Régler la facture. Voyons maintenant comment faire un transfert en comptabilité. Cliquez sur le menu Transfert en comptabilité. Un assistant s'ouvre. Laissez-vous guider en cliquant sur Suivant pour changer de page, puis sur Lancer pour envoyer vos écritures. Il s'agira ensuite d'ouvrir votre logiciel de comptabilité pour récupérer vos données. Terminons ce tutoriel avec une petite astuce pour gagner du temps. Pensez à mettre toutes les fonctionnalités que vous utilisez régulièrement en favori. Pour cela, un simple clic droit sur la fonctionnalité sélectionnée suffit. Le menu favori n'est plus à droite, mais à gauche. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à consulter nos tutos dédiés relatifs à l'ergonomie de votre nouveau logiciel afin que vous puissiez trouver rapidement de nouvelles habitudes de travail.